C'est trop tard. Pourquoi tu l'as tué ? Tu ne l'aurais pas fait. Il était corrompu. C'était un tueur. Il n'y a pas de justice là-dedans. Qu'est-ce que tu connais à la justice ? Derrière les barreaux ou devant, ces gens ne changent pas. Tant qu'ils vivront, Gotham sera corrompu. On peut faire autrement. Et moi qui croyais que tu comprendrais. Mais le test doit continuer. Retrouve-moi à Sheldon Park. Qu'est-ce qui est arrivé à Brian Murphy ? On avait un accord. Il m'a donné les numéros de compte. Je me suis fait passer pour le client.
Et j'ai vidé le compte. En échange, il a eu sa part. C'est une arnaque que j'ai faite des tas de fois. Mais il s'est mis à paniquer et à faire marche arrière. Alors tu l'as balancé du toit. Je pouvais pas risquer qu'il avertisse la banque. Ou qu'il prévienne les flics. Je devais protéger mes intérêts. Et finalement, ton compte est bon. Alfred, contactez le GCPD et dites-leur que le tueur de Brian Murphy a été arrêté. Envoyez-leur aussi les preuves que j'ai trouvées. Je m'en occupe, monsieur. Centrale, j'ai une victime à Coventry qui doit être ramassée. La zone est sécurisée et prête. Je veux un inspecteur sur place immédiatement. Bien reçu, 3-7. Delta 4-1 va s'en charger. Selon le rapport de la police, la victime est morte d'un seul tir dans la poitrine. Mais qui l'a tuée? Et pourquoi? L'examen du corps devrait pouvoir m'éclairer. Owen Grant, un journaliste d'investigation. Il m'a interviewé l'année dernière. Il devait être sur un gros scoop pour être ici. Une sangle d'appareil photo autour du cou. Mais où se trouve le reste? Cette trace indique que la victime a tenté de fuir avant de succomber à ses blessures. L'analyse des taches indique que le tir venait d'en dessous. Grant a dû lâcher son appareil quand on l'a touché. La reconstitution devrait m'aider à le retrouver, à moins que le tireur m'ait devancé.
Alfred. Monsieur ? Je vous envoie les données d'un appareil photo. Essayez d'identifier le sujet sur les clichés. Très bien, monsieur. Juste un petit instant. Ah, nous y voilà. C'est un certain Chucky Burks. Je vous envoie sa dernière adresse connue. Mais ils y sont déjà, on se tire. Mais si c'est pas le cas, si on a encore le temps, allez, je t'en supplie. Je te dis de laisser tomber. Tu crois qu'ils remonteront pas jusqu'à toi aussi, hein? Qu'ils vont pas découvrir notre affaire de contrefaçon? Qu'est-ce que tu crois que le mec faisait là? Une balade? Ils sont déjà à nos trousses. Mais comment ça a pu arriver? À toi de me le dire. C'est pas moi qui achète des belles bagnoles et qui paie des tournées à tout le monde. Putain, t'as même ta propre cour maintenant. Je vois pas de quoi tu veux parler. Ben voyons. De toute façon, si jamais je tombe, tu tombes aussi. Attends une seconde. Faut que je réfléchisse. C'est lui ! C'est Batman ! Je crois que ton compte est bon. Gagnez-le de toute fanfare. Je déclare forfait. Ne fais pas de mal. Qu'est-ce que tu veux? La justice. Tu as tué un homme. Pourquoi? Il allait dénoncer notre affaire de contrefaçon. J'avais pas le choix. On a toujours le choix. Pas grand-chose ce soir. Ah oui, les gens restent chez eux. Remarque, ça se comprend. Mais ça devrait être la moisson pour nous. Il doit bien y avoir un moyen de profiter de la situation. On pourrait essayer d'attaquer le Diamond District. Des endroits sans alarme. Les flics s'occupent des assassins. Ouais, ça peut marcher. Et la chauve-souris, je parie qu'elle est débordée. C'est pour elle qu'ils sont tous là. À toutes les unités, tout le monde doit être en mission. Pas de 10-10 pour le moment. De meilleur. Je te les vends une bouchée de pain. Je sais comment bosse les pingouins. Pas on est mort. Qu'est-ce qu'il faut pour te remettre d'aplomb? Je vais tuer ce taré. Jette-moi là. On va jouer. Une balle sur le Yeah.
Suivez-moi, les gars. Ce soir, c'est votre jour de chance. Vous voyez, puisque c'est le réveillon de Noël, le patron a décidé qu'on allait vous distribuer des cadeaux. Et il veut que personne rentre chez lui les mains vides. Alors, venez par ici et prenez donc un flingue. Vous m'avez entendu. Flingue gratuit de la part d'Oswald Chesterfield Cobblepot. Et le meilleur, c'est qu'en échange, on ne vous demande rien. C'est sans engagement. Voilà comment on va faire. Faites la queue bien gentiment. Mes gars vont vous faire signe un par un. Regardez la marchandise, battez-la un peu, ensuite prenez ce que vous voulez. Simplement ne traînez pas trop. On a plein de flingues, mais pas beaucoup de temps. J'ai toujours pensé que Cobblepot était un type bien. Et là, il le prouve. Ça va pas plaire à Sionis. Si Batman est au courant de tout ça, on peut faire notre prière. Regardez tous ces flingues. Ça va être dur d'en choisir qu'un. Ça, c'est du beau travail. Oh, je vais prendre mon temps avec toi. C'est un vrai. On va le tourner. Faut pas se laisser prendre. Je vais te coincer. Batman est sur un. Pourquoi tu es venu? Est-ce que tu n'as pas une ville à sauver? Tu as tué un homme. Oui, mais je crois que tu n'as pas compris la leçon. Et d'autres mourront si tu ne la comprends pas. Dans ce cas, tu seras jugé pour chacun d'entre eux.